Tchou, bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit GLG par en live du mercredi. Alors vous avez vu, c'est de pire en pire, il n'y a même plus de sujet maintenant. Il n'y a plus qu'à gagner des trucs. Je vous rappelle, on se retrouve tous les mercredis. Alors, chez moi, c'est 22h. Alors vous, malheureusement, vous avez... enfin, malheureusement, je sais pas comment vous prenez. Vous avez changé d'heure. C'est-à-dire qu'avant, c'était 16h chez vous. Maintenant, c'est 17h. Eh, c'est pas ma faute, hein. Moi, c'est toujours 22h. Hein. Moi, ça n'a pas changé. Donc, on se retrouve tous les mercredis à 22h pour parler de ce que vous voulez, en fait, hein, de tout, de rien. Et puis, bien évidemment, à la fin de ce live, c'est-à-dire à la fin de 7h, vers environ 50, je vous ferai gagner un cadeau. Aujourd'hui, le partenaire du jour, c'est Ekaïssa, qui vous offre cette magnifique souris. Alors, tous les gagnants, normalement, de la batterie Veger ont reçu leur tracking via le chuchotement de Twitch. Si tu es fait partie de celui qui ne l'a pas reçu, c'est que je sais, j'ai ton nom, mais j'ai plus ton pseudo et tout. Voilà, je me suis un peu embrouillé le pinceau. Donc, il y en a sur les deux sur les trois qui ont reçu le tracking. Le troisième, il n'a pas reçu. N'hésite pas à chuchoter à mon oreille de Twitch et à me dire, c'est moi qui n'ai pas eu le tracking et je te l'enverrai avec plaisir. C'était quoi l'autre qui avait gagné la semaine dernière? Je ne me rappelle plus. Il y avait un truc. Ah, les écouteurs, Transmart. Je n'ai pas eu une nouvelle de Transmart. Ou alors j'ai une nouvelle et j'ai envoyé au gagnant. Et j'ai oublié. C'est possible. Je crois que c'est possible. Je crois qu'elle a envoyé et que j'ai complètement oublié. Voilà. Aujourd'hui, c'est la souris, encore une fois, offerte par Ekaïssa. Ça veut dire que bah, c'est eux qui vous offrent la souris. Je ferai gagner à la fin. On fera un giveaway. C'est-à-dire, il vous suffira de participer. Il vous suffira de participer au tirage au sort. C'est-à-dire de mettre un commentaire dans les commentaires, simplement. Et vous participerez automatiquement au tirage au sort. Et un d'entre vous gagnera. À savoir que ça ne peut pas être quelqu'un qui a déjà gagné. Voilà, si c'est quelqu'un qui a déjà gagné, il ne peut pas gagner deux fois. C'est la vie, c'est la loi. Voilà. S'il a déjà gagné, il doit dire j'ai déjà gagné, je l'offre à quelqu'un d'autre ou je la remets en jeu. Voilà. Ou il ne joue pas. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, on peut parler de quoi? Alors aujourd'hui, on peut parler de ce que vous voulez, bien évidemment. Alors, on peut parler éventuellement du. Comment dire? Je vais pas dire du retour dans les bonnes grâces de GLG Review, mais bon, il est clair que ça manquait un peu de smartphone depuis un petit moment, vous étiez nombreux à me le faire remarquer, mais c'est pas moi qui choisis. Bon, bonne nouvelle, on a eu du Oukitel, bon, qui est pas mal. Bon, bonne nouvelle, on a eu confirmation pour le Doogie S98, le dernier, là, ça y est, il est parti, on devrait l'avoir bientôt. Bonne nouvelle, alors on n'est pas le premier, j'ai regardé un peu mon référencement aujourd'hui, et un qui l'a déballé avant nous. Bon, après, moi j'ai un embargo. On est, alors, j'ai le téléphone, je vous ferai la review du Redmi Note 11 Pro Plus 5G en version globale. Voilà, ça c'est pas mal. Et éventuellement, si ça vous intéresse, on peut parler de OnePlus. Oui, parce que OnePlus, ils sont revenus. Et comme ils n'ont pas de face et que moi non plus, eh ben, on en parlera si vous évoquez le sujet, puisque voilà. Pas de face, là, qu'il attend que changer ça. Voilà. On pourra parler de ça. Après, j'ai rien d'autre en smartphone et tout. Puis peut-être pas des reviews du mois d'avril, mais je que sur prévu. J'ai pas mal de trucs, pas mal quand même. Ouais. Et des vélos électriques, bien évidemment, pour ceux qui se sont remis à WTS, puisque ça fait plaisir de parler un petit peu de vélo et les queutriques. Alors, pareil que la trique. Hein. On va faire ça comme ça. Regarde. Je remets un peu ma page en place. Voilà. Je vous rappelle, pendant cette émission, notre modérateur est là. Et attention, il est vénère. Non, il n'est pas vénère. Et voilà, vous pouvez bien évidemment faire un... On peut envoyer des diamants, vous pouvez vous abonner, c'est pas encore fait. Je sais que vous pouvez vous abonner également si vous avez un compte Amazon Prime. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Voilà, il vous mettra comment ça marche. Sinon, vous pouvez faire un petit pi et ça fera la musique de Rocky. Et puis, voilà, bah, puis c'est parti, je crois que vous êtes là. 8, allez, c'est bon, c'est parti pour les commentaires. Bonjour à Shadow, bonjour... Alors attends, je vais mettre en plus gros là. Voilà, ouais, gros, c'est gras, c'est comme moi. Non, c'était pas ça la rime. Bon, c'est... Voilà, quoi. Bon, bonjour à Soldameur. Shadow, c'était le premier, mais t'étais en ligne, il l'a pas vu. Tu comptes pas. C'est ton métier, c'est ton travail, voilà. Bonjour à Sixshot. Voilà, donc merci à, encore une fois à Shadow d'avoir repris un abonnement. Ça fait plaisir, encore une fois. Je sais pas combien on est d'abonnements. Enfin, je m'en fous, mais ouais, on a pas mal d'abonnements, quoi. Ça fait plaisir. Allez, les 4 mois, en fait... Peut-être que je gagne cette fois. On verra. Bonjour à Sébastien. Bonjour au robot Wizbot, bien évidemment. Donc Shadow qui a renouvelé son allégeance au marabout. Bonjour à Planet Shopping. Peux-tu tester le Realme C21Y, un smartphone stylé à 99€? Alors, encore une fois, Shadow, je te répondrai la même réponse que je fais à chaque fois pendant les lives. À moins que ce soit une plaisanterie de ta part, mais c'est pas moi qui décide ce que je teste. Malheureusement, c'est que c'est un peu les marques qui décident ce qu'elles m'envoient. Et comme maintenant, je ne prends plus rien de gratuit. Bon, sauf le OnePlus.
Moi, on en parlera si vous me posez la question. Mais voilà, moi, comme maintenant, je prends plus rien de gratuit, bah, généralement, les marques sont pas trop chaudes quand elles ont pas de budget ou que les téléphones sont pas assez chers. Ah non, c'est bon, on fait un peu de vue, on fait un peu de taf, on est dans les temps et tout. On travaille plus vite que le Pékin Express, là. Pattaya Express. Et voilà, donc maintenant, il y a plus rien de gratuit. Donc, bon, bah, malheureusement, les marques reviennent, puisqu'apparemment, beaucoup de marques, les marques viennent... en mode toujours Obi-Wan, bien évidemment, mais reviennent toujours en mode... Bah, en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est-à-dire que, ouais, mais bon, nous, voilà. Et puis après, bah, ils reviennent. Donc, comme quoi, voilà, je dois pas être le pire. Donc, malheureusement, le C21, pas au programme. Et encore une fois, je suis pas en position d'acheter les téléphones pour les faire en review, puisqu'en affiliation, il n'y a pas de modèle économique. C'est-à-dire les acheter pour les tester, j'ai pas de modèle économique. Je fais pas assez de CPM, je fais pas assez de vues. L'affiliation, ça marche très très peu et tout. Donc, voilà, autant que ce soit les marques qui décident de faire la démarche, de me payer. Et puis, voilà, tout est bien. Et le Redmi, on est payé, hein. Redmi Note 11 Pro. Ah, il va pas être cher, hein. Il va être à 329€, je crois, en prix de lancement. Mais voilà, payé. Dougie aurait payé, ou qui aurait été payé, tout payé. Pas beaucoup, encore une fois, pour les téléphones, parce que le but, c'est de pas les allumer non plus, leur dire, il faut que je paye le monteur, il faut il y a un peu de logistique et tout, donc voilà, au moins, ça éponge un peu les frais, quoi. Voilà, donc si tu veux te sub pour avoir des petits chats, tu as deux solutions, un sub payant ou utiliser ton Prime. Si tu ne l'as pas encore activé, rends-toi dans le gaming, dans la partie gaming de Amazon, active ton compte gaming et ajoute ton compte Twitch ou et après éventuellement le mien. Voilà. Tipeee, un petit Tipeee façon Rocky. Je vous parle, vous pouvez faire un Tipeee pendant l'émission. En théorie, ça devrait s'afficher en grand et ça devrait avoir la musique de Rocky. Alors, le Rocky version libre de droit quand même. Ne vous emballez pas. Voilà. Belle shopping. J'ai le Redmi C21. Franchement, il est bien. Je ne me plains pas. Eh ben tu vois. Bah écoute, demande à Planet Shopping qu'il te fasse une vidéo. Tu nous fais une review. Hein. Tu nous fais les plans. Tu dis ce que tu en penses et moi je fais la voix et je la mets en ligne. Le mec, il faut même plus rien. Et si tu peux faire le montage, ça m'arrangerait, ça me coûterait un peu moins. Bonjour à Adams. Me plains pas, pardon. je me plais pas. Tu parles, ouais, mais tu dis, c'est le dialecte. Hein. J'ai des fois, mais des fois, il y a des commentaires. Tu dis, les mecs, prenez votre temps. Je sais plus, la fois, il y en a un, il dit, ouais, tu sais, la question, ouais, ça marche comme ça et tout. Je dis, bah, bonjour. Déjà, ouais, il me répond, mais j'avais pas de temps. Bah, ouais, enfin, t'as pas de temps, ça n'empêche pas d'être un peu poli, courtois et urbain. On n'a pas tous été élevés dans une cage d'escalier, c'est pas possible, hein, un peu de courtoisie dans ce monde de brut. Voilà. Donc c'est tout. Je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Bonjour à Dams, bonjour à Flambrooks. Merci, je vais l'offrir à ma part en avril. Une bonne blague. À ta moitié, on dit pas à ma part. On dit à ma moitié, à ma part, part de tarte. Bon, ok. J'écris part. Ou alors, faut que je dorme. Putain, mais putain, mais pas. Prends le temps, prends le temps. Il n'y a pas énormément de commentaires. On devrait y arriver. Bon, que se passe-t-il avec OnePlus? Alors, j'ai pas été démarché par OnePlus. En fait, j'ai deux boîtes qui sont. Alors au début, se présentait comme la boîte. Au début, on est OnePlus machin. En fait, c'est pas du tout OnePlus. C'est une boîte de marketing. Comme il s'en est ouvert depuis beaucoup, hein, depuis de nombreuses années. C'est-à-dire des boîtes de marketing qui s'occupent d'aller voir les marques en disant. On s'occupe de faire la promotion, on s'occupe de trouver les youtubeurs, les articles, machin, vous débloquez un budget, on s'occupe de tout. Ça évite souvent aux marques d'embaucher une meuf qui vient d'arriver le matin, là, qui vient de tomber de son arbre, la cerise, là, et qui fait souvent pas le boulot, ou qui arrive pas à atteindre ses objectifs et tout. Comme ça, bon, bah, les mecs disent, bah là, on fait une boîte de marketing, et puis bah, si la boîte de marketing tient pas ses objectifs, bah, hop là, roulez-boulez, ils disent, bah, c'est de la merde, et après, bah, ils en font une autre. Donc, on a deux boîtes comme ça qui nous avaient promis du OnePlus, puis on n'en a pas eu beaucoup de OnePlus. Puis après, ça a vite bifurqué en disant, ah, on peut vous avoir du Redmi, du machin, du truc. Donc bon, des aspirateurs, des trucs, bon, ouais, c'est boîte de marketing, donc pour moi, ça ne me dérange pas. Mais il y en a une des deux, on a quand même réussi à avoir le Redmi Note 11 Pro Plus 5G, dont j'ai fait un article aujourd'hui pour expliquer un peu les différences, parce que je pensais vraiment être le premier avec mon embargo et tout. Moi j'ai marqué embargo jusqu'au 4, moi. Donc je me suis dit, jusqu'au 4, si je fais 2-3 photos en loose dès que je parle des caractéristiques, je suis le roi du pétrole. Ben non. Voilà. Donc j'ai fait quand même un article et ça, et donc aujourd'hui, elle m'écrit, elle me dit oui, bonjour. Elle dit voilà, Obi-Wan, est-ce que vous pourriez faire le lancement du OnePlus 10 Pro?
Je dis très bien. C'est pour quand? Elle me dit 1er avril. On est le 30. Hein. On est le 30. Même si je le commandais sur Amazon aujourd'hui, que j'étais en France, pour l'avoir demain, c'était chaud. Donc pour faire la règle pour lundi, c'était quand même tendu du string. A savoir que moi je suis en Thaïlande, eux ils sont en Chine. Voilà. Elle me dit c'est pour le 1er avril. T'as envie de dire bonne blague. Bonne blague. Je dis, mais vous voulez faire une vidéo comment? Alors sans le téléphone? Elle fait non, en fait, on va quand même vous envoyer le téléphone. Et vous ferez la review, bah après, il loupe le lancement, parce qu'il y aura peut-être un petit délai, ce sera peut-être du 1er au je sais plus quand et tout. Enfin, ils ont un petit laps de temps, et elle me dit, bon, bah tant pis, de toute façon, c'est un peu. Tu sais, tu sens la meuf qui a la merde au cul, tu sais. Le mauvais truc de dire. Comment dire Il y avait une blague comme ça, c'est. Ah oui, il y a de la. Il y avait une blague comme ça qui disait, quand t'as de la merde jusqu'au cou, tu évites de faire des vagues. J'ai toujours aimé cette expression. Parce que tu t'imagines avec de la merde jusque-là, et voilà. Et la meuf qui s'écrit le 30, en gros, pour te dire, ouais, alors voilà, et parce qu'elle a dû écumer tout son réseau, ou tous les emails et tout, de youtubeurs, d'influenceurs et tout, pour qu'à la fin, voilà quoi, à la fin, le premier c'est dans 2 jours, et ils ont personne pour faire la review. Alors elle m'écrit, elle me dit, vous voulez le OnePlus 10 Pro? J'aurais pas mal du tout. Prix de vente quand même 999 € TTC quand même. Hein. En prix de lancement quand même. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Alors moi je lui dis, bah écoute, il faut combien de temps? Je dis, bah faut un peu de temps quoi. Faut déjà qu'on reçoive le téléphone. Si on peut avoir le téléphone le matin comme un Mac DHL à midi, si je carboune l'après-midi, je vais dehors, je fais des photos, j'installe tout, voilà, je regarde un petit peu machin. Éventuellement je fais les plans le lendemain matin. La voix dans la foulée, le lendemain après-midi, elle peut être en ligne. Tu vois, après, bon, c'est pas un test de ouf, mais enfin, bon, photo, GPS, voilà, les téléphones, je reste pas 10 jours avec, puis 1000 balles quand même. 1000 balles? Putain, pour un OnePlus 10 Pro, il a l'air pas mal quand même. Je crois que c'est le nouveau, avec Hasselblad et tout, avec les nouvelles lentilles et tout. Donc elle me dit, pouvais-je? Bah oui, après, moi, je m'adapterai, parce qu'elle m'a mis le Redmi Note 10 pour le 4 ou le 5. Après, j'ai le vélo Fido M1 Pro pour le 6. Après, toi, je suis pas mal. Donc, je dis, bon, bah, entre temps, s'il arrive, téléphone à 1000 balles, je ferai en turbo. Après, j'ai fait péter, machin. Ah, j'ai eu le phone aussi. Elle va m'en envoyer deux d'un coup. En fait, ils en ont deux qui vont arriver, toujours pas en vente, rien. Elle me dit, et on a le celui-là et celui-là. Je dis, bah, pareil, hein, c'est temps et temps, comme d'hab et tout, c'est bon. Ça lui va, donc elle va me les envoyer aussi, mais voilà. Donc, il va y avoir du téléphone. Du Gui, du Kubo, du Oukitel, du Ulephone, parce qu'on est toujours en deal avec elle. Et même, tu vois, en leur prenant un petit billet, ils reviennent quand même. Parce qu'ils se sont bien rendus compte que, bah, à ne pas payer, soit ils tombent sur des mecs qui n'ont pas assez de visibilité, à mon avis, d'après eux, soit des mecs qui reçoivent les téléphones et qui ne font pas les vidéos. Ils en ont eu aussi. Et on a déjà parlé et tout. Donc, bon, bah, ils disent au moins, lui, il bosse, quoi. L'autre, le 30. Le 30. Et on ne voulait pas faire la vidéo pour le 1er avril. Bon, bah, de toute façon, je l'ai dans le cul, hein, Cerise. Voilà, vous ne l'aurez pas à temps. On n'aura pas le délai. Mais bon, imprévu, imprévu. Rien n'est prévu. Et Realme, c'est tombé à l'eau. On devait recevoir le Realme Narzo 50. En version globale, encore une fois, parce que, encore une fois, vraiment l'intérêt, c'est d'avoir d'attendre les versions globales, parce qu'en plus, des fois, elles sont un peu différentes. Et ça a été annulé parce qu'ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas assez et tout. Alors après, que ce soit pour moi ou pour un autre, on m'en bat les couilles. Vous en avez pas, c'est pas grave. Comme ils payent, après. Donc là, c'est vraiment, ils avaient prévu, j'ai fait la facture et tout, donc ils n'en avaient vraiment pas. Et j'ai été contacté par AliExpress. Il y a un gros lancement Xiaomi bientôt avec plein de trucs là. Il y a plein de trucs qui vont arriver. On m'a demandé ce que je voulais. Alors, ils vont proposer un Redmi 11, mais nouvelle version avec une déclinaison à la con là encore. Voilà. Il y a un Poco, je m'en rappelle plus le nom, c'est M4 Pro ou M truc Pro, je crois. Voilà. Un nouveau Poco, encore une fois là. Enfin, du rebadgé et tout. Ils vont avoir la balance connectée, la Mi Scale 2. Ok, ils vont avoir une nouvelle montre, la Mi Watch nouvelle, quoi, ou alors la chinoise, mais en version globale. Et il y avait un cinquième que j'ai oublié. Un peu plus que c'était le cinquième, voilà. Et elle me dit, vous voulez quoi et tout? Je dis, bah, vous voulez combien de reviews? Elle me dit, une. C'est-à-dire, ce qu'elle aurait aimé, c'est que je fasse une review, que je prenne tout. Après, je lui ai dit, bon, je veux bien prendre les deux téléphones, pour le prix d'un. Faire les deux téléphones et faire un versus, le nouveau Redmi versus le nouveau Poco. Le Poco, c'est encore un truc, tu vois, 108 millions de pixels et tout, là. Donc, c'est pas mal, tu vois. Et le Redmi, pas ouf, ça ressemble un peu à celui-là, mais en moins bien. Tu vois, chargeur 33 watts et tout. Le processeur, c'est un 698, je crois, comme ça, tu vois.
Donc un peu moins bien que celui-là où c'est un 900 et quelques. Donc le même, mais moins bien spéqué. Donc elle m'a dit, et je dis, on peut faire un versus contre le Redmi et le Poco, le nouveau Redmi, le nouveau Poco en version globale et tout. Elle me dit, ah, c'est bien, ça, bonne conne idée, je vais voir avec le client. Ça, c'est cet après-midi. Bon, il est 22h. Je pense que j'aurai peut-être une réponse demain. Ça, c'est le genre de meuf. Déjà, pour les trottinettes, on avait relancé parce qu'on devait avoir une trottinette de 1200 watts là, avec suspension et tout. Et normalement, c'est eux qui sponsorisent la vidéo puisque le vélo, c'est eBaying. On va contacter le monde. Et pas de réponse. Et là, elle revient une semaine après en disant on a des téléphones. Donc tout va bien. Et j'ai une marque de trottinette aussi qui m'a contacté. Ils ont un truc qui s'appelle la Pio... Alors il y a une marque à la chinoise et le nom c'est la Pionnier. T'as un connecté tout bien et tout. T'as 800 balles quand même. Trottinette. C'est pour vous dire que. Enfin, et encore, je note pas parce que je laisse les trucs arriver, tu vois. Un truc de ouf. Voilà. Bon, en attendant, la montre Seiko, premier du Koenigsegg en douane. J'ai reçu le S8 Plus il y a 30 minutes. Je déballerai après le live. Hein, la Djokovic. Alors aujourd'hui, je porte la. Putain, je sais pas, je suis refait la review parce que le sponsor de cette vidéo, en fait. Alors en fait, celle-là, elle devait faire. On devait la placer dans une OP parce qu'on devait avoir une OP. En fait, normalement, avec Filmora, on devait avoir une OP. Et du coup, faire une OP et placer les deux montres, les trois montres Sigul que j'ai. Et le mois dernier, vous avez vu, elle me dit oui, c'est combien les prix? J'ai fait un copier-coller de nos tarifs. Elle me fait en fait, elle me dit la review, ça n'était pas si cher que ça. Ou alors, c'était pas assez cher. Elle me dit la review complète, en fait, c'est pas mal aussi. Ça nous plaît bien. Donc, elle a préféré payer une review complète. Ce qui, moi, me fait plus de thunes. Parce qu'on leur facture bien plus qu'au smartphone, mais qu'aux autres et tout. Parce qu'ils ont, eux, ils ont un retour sur investissement qui est rapide. Hein, je veux dire, quelques licences, ils font leur roi. Le ROI, le Return on Investment. C'est reporté à ce mois-ci pour les montres, mais je vois pas qui je vais placer. Je vois pas qui je vais placer pour les montres. Bah, on va voir. Parce que là, déjà, le vélo, la trottinette, peut-être la troisième trottinette. Là, on est en train de subodorer, de toucher une marque. Elle a un vélo électrique, on dirait une moto. Mais il y a des pédales. Et on dirait une moto avec des pédales, en gros, tu vois. Voilà. Comme moi, comme un mec en moto qui ressemble à une pédale. Non, c'est pas ça. C'était, voilà, bon, t'auras compris. MediaEye Suite Plus. Ah oui, c'est pas le Samsung. C'est le Midea. Ah bah oui, c'est toi, oui. C'est toi, notre médecin traitant. notre caution médicale. Voilà, on va t'appeler comme ça pour le live, qui est notre caution médicale. On te demandera. Tu m'as envoyé sur Line alors, en disant, je suis vraiment médecin pour la CDV. C'est pas qu'une blague. Je te rappelle que je suis nul à chier l'orthographe. Quand je suis un peu KO. Et je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. On n'est pas chez Jojol ici. Non. T'es petit. Non, je veux pas le savoir. Tu es notre faire-valoir. Tu es notre étendard, notre drapeau. Tu vois. Tout le monde compte sur toi. Tout le monde te connaît. Tout le monde compte sur toi. Tout le monde sait qui tu es. Donc, tout le monde attend beaucoup de toi. Donc, il te faut. Prends du shit. Fais quelque chose. Non, pas du shit. Prends du Red Bull. Ou prends quel est. Non, bon, voilà. Donc, fais. Tu es pardonné, mon petit. Je t'embête. Tu le sais bien. C'est le poisson. C'est un poisson d'avril. Ça existe encore, Ulophone. J'en ai plus entendu parler, tout comme Humidigi. Alors, Humidigi, c'est vrai que depuis qu'ils ont rebadgé leur bison en version économique, bon, bah, ça s'est quand même un petit peu calmé. Et Ulophone, bah, écoute, deux. Hein, attends, je vais te donner les noms. Tu veux des noms? Attends, elle est où le fun? Ulophone, good afternoon. Alors, hey, on va proposer. Alors, ils vont proposer le Ulophone Armor X10 Pro. Alors, évidemment, on a fait le X10, donc il y aura une version X10 Pro. Et le Power Armor 14 Pro. Donc, bon, bah, avec les deux noms, on a bien compris qu'en fait, ce ne sont pas des nouveaux téléphones, ce sont simplement les deux versions Pro de téléphones qu'ils ont déjà, où ils ont dû upgrader le processeur et la caméra, et ils ont mis Pro dessus. Et comme ça, voilà, ça prouve que ça va pas très bien. Au lieu de sortir des téléphones, bah, ils nous font des upgrades. Donc, Ulophone Armor X10 Pro et Ulophone Power Armor... Alors, Armor X10 Pro et Armor 14 Pro. D'accord. Ah oui, il y en a deux. Ouh là là, c'est pas facile, hein, cette histoire. Voilà, c'est pour vous tenir un peu au courant. Non, mais bon, après, enfin moi, deux téléphones, elle me dit oui, deux, vas-y, deux reviews, deux fois le prix, et puis voilà, ça fait du téléphone. Ça fait du téléphone pour tous ceux qui sont encore nostalgiques de cette époque et qui... Parce que je vous vois en plus, c'est ça le pire. Parce que bon, je sais qu'ils viennent pas pendant le live, c'est très confidentiel, on n'a que l'élite.
les VIP, les meilleurs, dit-il. Mais les, en fait, quand on fait pas assez de smartphones, les mecs se désabonnent. On voit, il y a des vagues de désabonnement. Dès que tu fais trop de, d'aspirateurs et trop plus de smartphones, t'as une putain de vague de désabonnement, comme ça. Mais tu sais, genre 10-20, tu sais, beaucoup, tu sais. Et puis, dès que tu refais du smartphone, parce que ça doit rester dans leurs recommandations, toi, quand t'es abonné, même si tu te désabonnes, après, il y a toujours sur ta page et tout. Et dès qu'on refait du smartphone, un, et éventuellement deux, pop, ils reviennent. Et après, je voulais... Voilà, c'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin. Après, bon, là, quand même... Alors, c'est pour ça qu'il faut que je tease à chaque fois, maintenant, je pense, dans les reviews, en disant, il y a ce téléphone-là qui arrive, restez... Je devrais le faire au début, je pense qu'ils vont pas jusqu'à la fin. Restez encore un petit peu, tenez bon. Les téléphones arrivent. Enfin, ils arrivent déjà de Chine. Wow ! Merci à BZH de s'être réabonné également. Oh, deux réabonnements aujourd'hui. Voilà, pendant déjà 4 mois. Pas mal. Merci beaucoup. T'as des infos pour ce qui est du Nothing Phone ? Orientation média ou photophone ? Aucune idée. Aucune idée. Et ça, en fait, ça m'a même pas intéressé. Puisque malgré tout... l'abattage médiatique qu'on a pu voir encore une fois à chaque fois où les mecs se ruent là-dessus puisque tout le monde est un peu copain avec Carl Pay, même enfin même moi, mais c'est ton premier copain moi parce que mais bon après on s'est perdu un peu de vue parce qu'avant il était sur Meizumi quand je faisais du Meizu et tout, voilà bon qu'est-ce que je voulais dire. Oui, il y a vraiment un abattage où tout le monde se rue là-dessus parce que c'est Carl Pay et que c'est lui qui a lancé OnePlus alors que je ne veux enlever la gloire à personne parce que c'est du travail. Mais tout ça, c'est du flan, en fait. C'est Oppo. C'est Oppo qui est derrière. Bien évidemment, c'est les mecs qui tiennent. C'est l'intérêt de OnePlus, c'est qu'ils ont fait un peu comme toutes les marques qui se doivent. Ils ont fait du storytelling. C'est-à-dire que la marque avait un nom. Et la marque n'avait pas le nom de son CEO. Avait le nom du l'emblème de la marque. C'était vraiment le numéro 2. Oh, merci à Shadow d'avoir offert un abonnement à Joe Chan et à Jim 38. Je vous vois. Je surveille, hein, voilà. Yeah ! Et ben voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup. Merci pour eux. Donc voilà. Donc voilà. Donc en fait, la tête de. Enfin, dire. Celui qui était visible, c'est Carl Pay. Il était partout, il faisait tous les déplacements, c'est pour ça qu'il était devenu connu, et bon, ben voilà. Après, il a bien géré son affaire, mais après, il a suivi le navire, et le navire fonçait droit sur l'iceberg, hein, de OnePlus. Donc, il est parti, voilà. Donc là, bon, le fait qu'il fasse cette marque-là, bien évidemment, c'est une filiale de Oppo, et que, dès le début, quand il est parti, je vous l'ai dit le premier, ils ont une carte à jouer dans l'audio. Dans l'audio, il y a une grosse carte à jouer, il y a du gros consommable, les casques qui sont chers. Un bon casque, c'est 250, 300, 350 balles, quoi. Et s'ils faisaient un bon casque Oppo, il y a moyen de faire du pognon, parce que à fabriquer, ça leur coûte pas bien grand-chose. Et Oppo, ils ont vraiment les moyens de faire. Ben Shopping a offert un abonnement niveau 1 à... Oh là, mais dis donc, il y a beaucoup de l'abonnement. Merci à Ben Shopping et à Shadow d'avoir offert des abonnements. Ça fait plaisir, les gars. Namasté. Voilà. Donc, il y avait vraiment une carte à l'audio. Alors, leurs premiers écouteurs et tout, on a tellement vu beaucoup de déballages parce que personne ne voulait... Ils ne devaient pas les tester parce qu'ils n'étaient pas au point. Après, apparemment, ils étaient au point, mais bon, personne n'en a fait des caisses hein, par rapport au prix qu'ils les vendaient. T'en avais pour ton pognon sans plus. Hein. Quand on voit les Xiaodu par rapport... Enfin, moi, je me suis fait défoncer dans les commentaires. T'es payé. Teste-les et tu reviens me voir. Parce que les mecs, ils n'ont jamais rien vu et parce qu'ils ont décidé que c'était Xiaodu, c'était de la merde, et ben, il est venu me défoncer dans les commentaires. J'ai répondu poliment en disant, excuse-moi, le mec qui review, c'est moi, et oui, je suis payé, je suis rémunéré pour le travail, mais les écouteurs, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Merci à Shadow, encore une fois, d'avoir... Oula, mais c'est la soirée des abonnements, tout le monde va être abonné ce soir. Ça continue. Merci encore une fois à Shadow d'offrir des abonnements. Voilà, je veux dire, c'est la fête. Aïe, 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 on ne les arrête plus. Ça y est. Shadow, il a eu la paye. On est quoi? On est le 30, c'est bon, la paye est tombée. Merci beaucoup, mon pote. C'est le modérateur qui offre des abonnements d'abonnés et tout. C'est incroyable. Les abonnements, les cadeaux, l'usage des bits permettent d'atteindre le niveau suivant. 76%. Merci encore une fois à Shadow. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Bon, donc malgré tout le pataquès qu'ils ont fait de ce casse, non mais on est indépendant et tout, bien évidemment. C'est BKK électronique qui est derrière. Et donc, c'est un petit indirectement Oppo Vivo. Mais bon, là, c'est BKK. Donc, ils ont fait les écouteurs, un espèce de petit coup dans l'eau, beaucoup de d'abattage médiatique pour un truc qui, à part le côté transparent, n'est pas exceptionnel. Bon, là, alors, attends. Oula, alors, attends. Shadow, OK. Merci à Shadow pour les abonnements. Merci à BZH d'avoir utilisé 5 bits.
Ah oui, quel plaisir. Allez, voilà, les bits viennent d'arriver. Merci pour les diamants, ils sont éternels. Voilà. Donc bon, là, le problème, c'est qu'il y a un abattage autour du téléphone et évidemment, ça sera un Oppo et évidemment, il peut pas prendre le risque de faire un téléphone unique du premier coup. C'est trop de budget. Comme je vous dis, faire un moule pour une pièce, quelle qu'elle soit, c'est 10 000 dollars. D'accord? Donc, imaginons qu'ils prennent quelque chose qui n'existe pas, un truc révolutionnaire qui n'existe pas. Chaque fois qu'il fera une pièce qui n'existe pas, chaque pièce lui coûtera 10 000 balles. D'accord? Alors après, ça s'investit, il y a un retour sur investissement. Hein, je veux dire, si tu vends 10 000 pièces ou 100 000, alors si tu vends 100 000 pièces, bon, bah, ton coût, il est vachement réduit. Mais tu dis, bon, bah voilà, il va prendre un châssis. S'il prenait plein de trucs de différents qui existent déjà, eh ben, ça lui coûterait 10 000 balles par moule. Donc, ça a un coût, plus le coût du téléphone, plus 10 000 balles par moule et tout. Enfin, il faut en vendre des téléphones. Alors que souvent, la facilité, et c'est ce qu'on voit dans le marché des smartphones, eh ben, tu prends un Oppo et tu dis, bon, bah alors là, on a tout, ok. Si on change l'écran et qu'on met un autre, là, c'est gratos. Parce qu'il suffit de commander un autre écran. S'il a la bonne taille, on le met dessus, ok. Si on change les caméras, bah, pareil. L'emplacement, il est derrière, truc, il suffit de changer les caméras, c'est gratos, ça coûte que le prix des caméras. Et la batterie, pareil, et le processeur, pareil. Donc, quoi qu'on veuille en dire, c'est sûr que ça sera un Oppo rebadgé. Un Oppo Realme Vivo, mais ils vont prendre un qui est dans la gamme et ils vont le relooker. Alors après, bon gré mal gré, après, on peut faire comme ils ont fait un peu avec OnePlus, faire des events, en disant, ah, mais le Note, il a un truc de plus, et... Wow! Merci! Merci pour Rocky! Voilà. Donc, ils peuvent faire un peu comme OnePlus en disant, ouais, on va sortir un truc révolutionnaire sur la photo. Et c'était un partenariat avec Hasselblad. Et bien évidemment, au niveau des photos, le téléphone était supérieur parce qu'il y avait un traitement numérique Hasselblad, les photos de l'espace et tout machin. Xiaomi a été confirmé avec Leica et tout, donc peut-être qu'ils vont arriver avec un partenariat sur de la lentille, je pense pas du processeur ou de l'écran. Voilà, peut-être des choses plus, mais je vous le dis, ça sera un Oppo, c'est le même que le Oppo, mais ils vont changer les trucs dessus, puisque le risque est trop gros. Le risque est trop gros, la production. Alors bien évidemment, c'est en théorie, s'ils envoient déjà tous les suceurs de queue, là, ils peuvent en faire déjà 1 000. Entre les youtubeurs et les investisseurs et tout, ils peuvent déjà en faire 1 000. Donc 10 000, 100 000, faire une production avec une précommande à 100 000 pièces. Bon, ça fait quand même du pognon, hein, sur un téléphone qui va peut-être valoir, même en coût d'acquisition, c'est-à-dire en coût de production, peut-être 200 dollars, tu vois, en prenant du Oppo et tout, bah 200 dollars, s'il faut en faire 100 000, attends, oui, ça fait 20 millions, hein, 20 millions de dollars quand même d'investissement. Faut avoir les reins solides, hein, tu vois, donc présenter quelques-uns, faire de la précommande, c'est pour ça que ça va être du Oppo rebadgé, ça me paraît carrément évident et que bah, ils vont nous pondre un truc de plus, hein, on verra avec le OnePlus 10 Pro à 1 000 balles quand même. Mais ils vont nous pondre une nouvelle caméra, une nouvelle technologie ou un nouveau partenariat et tout, puisqu'ils ont les moyens de le faire. La marque est assez connue. Mais ça sera pas de ouf, hein, malheureusement. Pas autant que je l'ai voulu. Ça perd les popettes. Le cinquième, c'est le cyberdog. J'aurais bien aimé l'avoir, hein, pour la blague. J'aurais mis dehors avec les poissons et tout, là. Ça aurait été bien. Non, ça n'a pas. Voilà, ça a fait. Encore une fois, je l'ai dit, il était fabriqué par Dreamy. En fait, non. Il est fabriqué par Dreamy Tech. Encore une fois. Et voilà, bon, on n'a pas eu. N'a pas eu l'effet escompté, encore une fois. À part le petit côté buzz, présentation, ils ont dû en vendre un peu à une poignée d'ultra geeks qui avaient les moyens d'acheter ça. Et puis voilà, quoi. J'ai pas compris. Alors. Fred, bonjour Fred. Ben, tu vois, Fred, tu vois maintenant qu'avec le décalage horaire, 5 heures, c'est la bonne heure pour toi. Toi, tu finis le boulot à 5 heures, tu m'as dit, la dernière fois. Et 5 h 20, t'arrives au bon moment. C'est quoi tous ces emojis qui apparaissent en haut là? Vous avez ça vous aussi ou pas? Un beau travail pour tous ceux qui ont soutenu, vont recevoir. Soutenu la live, vont recevoir. Ok. Bah, tous ceux qui ont soutenu, ils vont recevoir des emojis apparemment. Peut-être que Shadow vous expliquera ça. Salut, pas là. Tu me redonneras ton line? J'ai dû changer. Bah, Greg le Geek. Greg le Geek, simplement, voilà. Greglegeek. Facile. Facile, Emile. Ah, c'est peut-être toi. C'est pas toi qui avais gagné la deuxième batterie, non? Par hasard. Putain, je m'en rappelle plus c'est qui. J'ai que le nom. J'ai pas. C'était dû m'écrire sur un truc à la con, là. Voilà.
J'arrive un peu tard, panne de réveil. Écoute, c'est pas grave, ça a commencé à 5h, il est 5h30. Ah, c'est l'heure de la pub. Je vais vous mettre un peu de pub, ça vous apprendra. Allez, modifier le stream, gérer les objectifs, lancer la publicité de 1 minute. Ça a lancé la pub ou pas? Ouais, 54 minutes, 54 secondes. 54 minutes de pub. Ouais, il est léger, ouais. Ouais, je me suis dit que 54 minutes de pub, c'était pas mal. Sur une heure. Sur une heure de live. Je regarde. Non, il n'y a pas eu d'incendie? Non, non, pas encore. Non, tout va bien. Ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On va attendre combien il reste de pub. Parce qu'il y en a qui voient de la pub, hein, pour de vrai. Hein. Vous, peut-être pas. Mais il y en a qui voient de la pub. Bon. 20. 19. Je vais mettre ça comme ça. Oh, j'ai chaud, sa mère. Pas moyen que je mette le ventilo, là. Attends. Ça vous dérange pas si je pars de... Oh, putain, pas mal. Ah ouais, bien, regarde. Je vais mettre le ventilo, là. Vous voyez pas, là? Non, parce qu'il fait une chaleur à crever. En fait, j'ai la clim, mais comme il y a le fond vert, ça me cache mon plaisir. Ah ouais. Ah ouais, là, ah là, alors là. Oh. Ah, je suis en train de mouiller du cul là, presque, hein, tu vois. Chaleur. Bon. Oui, bah on est dans la confidence. Que veux-tu? Crazy Tiger, t'inquiète pas. Ok. Roll la foule. Re-BZH. Alors là, on a BZH qui s'est abonné. Ok, Wizbot Sud, Frenum. Ça roule au biclon. Au bicloon. Ok, je l'ai pas celle-là, mais. Alors c'était pas la ref, c'est Benjamin Epp. Hein. J'ai entendu la fois parce que j'écoutais l'album de Benjamin Epp et il y a bien un duo avec lui et il dit t'as pas l'arrêt. Fred s'est abonné avec Prime, donc là c'est bon, merci. Shadow offre 2 abonnements de niveau 1. La communauté ByGLG Stilisateur a déjà offert 21 abonnements à la chaîne. C'est-à-dire que le mec il vient, il fait le modérateur gratuitement, bien évidemment, et il offre des abonnements. C'est pour ça qu'on lui pardonne son orthographe. Mais que lâche pas le morceau. C'est pour ça, c'est pas très très grave, vous avez vu? On n'en a même pas parlé. Qui aime bien, châtie bien. Oh, j'aime ça. Bon, revenons-en à nos moutons. J'allais te l'offrir, zut. À offrir à moi. Ah non, mais moi je suis limité déjà. À offrir à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a que 19 personnes. Mais il n'y a pas beaucoup de commentaires. Donc si vous êtes là et que vous êtes un peu... J'allais dire, vous êtes dans la France insoumise. Eh non, mais non, c'est un parti politique maintenant. On n'a plus le droit. Vous faites partie de la France muette. Je ne trouve pas le mot. C'est pas insoumis, c'est silencieux. Voilà. Vous faites partie de la France silencieuse. Mettez un commentaire en disant je suis là. Et que peut-être qu'on vous offrira un abonnement Prime aussi. Toujours faire plaisir. Pas de souci, Shadow. Merci beaucoup. J'ai utilisé mon abonnement Prime. Avec plaisir, ça, c'est bien. Bah là, tous ceux qui utilisent, alors c'est gratuit. Si vous avez un abonnement Prime, autant l'utiliser à bon escient et vous abonner à ByGLG tous les mercredis à 22h Thaïlande. Après, si vous changez d'heure, c'est votre problème. Hein. Moi, je suis toujours à 22h. Ah putain, ça va bien avec le ventilo là. Ah, je suis fraîche et ça se voit. Ah, ouais, je sais. Ouais. Hey, tu dis putain, mais ça résonne. Donc, tu sais, hein. Oui, c'est une pub. Boum, et bim, boum. Bonsoir, un peu de retard, John Duff. Eh ben écoute, John Duff, l'important, c'est de participer. T'arrives à l'admi, c'est bien déjà. Merci pour l'abonnement. Okay, merci à Shadow. Non, c'est via le forfait mobile. D'accord, ok. Ça sera démité sur ton forfait mobile du mois prochain, c'est pour ça. Tu peux te permettre de spéculer sur une rentrée d'argent hypothétique. Ça peut être aussi. Comme dirait Ufo Tinic. Shadow est un modérateur de qualité. Exactement. Il est toujours là. Hein. Il a eu sa petite période où il a cru que il pouvait aller, tu vois, avec d'autres youtubeurs. Mais tu vois, tout le monde revient. Tu vois, il nous aussi a fait notre petite infidélité et tout. Mais c'est pas grave. On pardonne à tout le monde. On est tous comme ça. On croit tous que l'herbe est plus verte ailleurs. Tu vois. Mais il est revenu. Il nous est revenu. Oh, il est ressuscité. Merci à Shadow. Avec plaisir les gars, ok. Pensez à un produit avec un partenariat pour l'audio. C'est jouable ça, non? Ben en fait non, puisqu'en fait Oppo, ils ont leur propre département audio. En théorie, Oppo.
à la base de la base, ils faisaient des casques audio, mais des casques audio à... Les seuls qui les ont testés, c'est Pepe Garcia, tu vois. Ouais, des casques audio Shero. Et après, ils faisaient des platines Blu-ray, mais tu sais, avec le plateau en marbre et tout. Enfin, tu sais, ils faisaient vraiment des produits audiophiles très haut de gamme. Donc, oui, peut-être qu'en même, je pense pas de là faire un partenariat truc, mais peut-être sortir un smartphone avec de l'audio de psychopathe. Voilà, avec un DAC audio, tu vois, un préampli, et que là-dessus, tu puisses brancher un casque. Parce qu'à propos, en Bluetooth, tu perds toutes les joies de... Tu vois, ça compresse tout, quoi qu'on en dise. Donc peut-être, oui, un smartphone avec un audio de fou, voilà. Ou peut-être un smartphone de fou complet, hein, en mettant les meilleures caméras, le meilleur audio, et puis un DAC et tout. Puis tu sais, faire un peu comme... ils en ont beaucoup parlé, là, surtout, tu sais, Guillaume Ruchon. J'aime bien, je suis Guillaume Ruchon sur YouTube. Et il a fait ça avec le nouveau Sony, là, celui qui a un deuxième écran, alors qu'il a fait des drones et tout. Et celui-là, c'est vrai qu'au niveau photo, il est ultra, ultra cher, mais ultra, ultra. C'est sortir un truc, c'est un peu comme ça, mais dans un autre domaine, peut-être dans l'audio. Et comme Oppo, ils sont très, très bons au niveau de l'audio, technologiquement, ils pourraient le faire, ouais. On est d'accord. Donc mettre de la photo trop bien, comme tout le monde sait faire hein, maintenant, parce que c'est accessible à toutes les marques, et même peut-être mettre ouais, une partie audio qui soit vraiment au-delà, ou que tu es vraiment un téléphone, mais que tu es vraiment un lecteur audiophile qui se respecte. Voilà. Même si on est d'accord que la plupart des téléphones sont très très bons, on peut encore faire mieux, puisqu'il existe des petits lecteurs comme ça, avec ampli, pré-ampli, décodage, tout ça, tout ça. Voilà. N'oublions pas que ça reste avant tout un smartphone. Suceur de queue, comment il donne? Je suis outré. Oui, t'es outré. Toi, t'es outré? Naf. Si toi, t'es outré, ça veut dire que tout le reste de. Tout le reste du. Les 19 qui sont là sont en PLS. Ils sont en train de convulser par terre. En disant non, non, pas ça, non. Non, 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 ça marche pas. Ou alors t'es outré, t'en veux encore. Oh, mais moi encore. Oh, vas-y. Mais non, mais il faut appeler. Après, c'était. C'est pour ça que certains apprécient et certains pour ça me détestent. C'est que, bah voilà, quand on est entre nous, il y a des mots, on peut dire, après, pas dans les reviews comme ça, mais bon, après, là, quand tu dis ça, tout le monde a compris. Tout le monde te dit, bah oui, entre vous, vous parlez comme ça. Donc, à part Jean-Marc de la Villardière, là, qui nous regarde, mais après, tous les autres, voilà, on parle comme ça, machine à café. Des cadeaux du train de la hype, niveau 2. Oh, d'accord. Oui, j'ai les emojis. Ah, d'accord. Vous avez des petits cadeaux. Ah oui, il y a les petits trains. Ah, d'accord. Ah, tchou, d'accord. Il y a les petits trains. Tchou, tchou. Ah ouais, tchou, tchou. Tchou, tchou. Ah, d'accord. Ok, ok. Bah, vous pouvez jouer avec vos emojis, alors. Joue avec ton emoji. Oui. C'est la classe, cet emoji. C'est vrai. C'est vrai qu'il y en a des pas mal. Il y a des trucs un peu rigolos. Tout le monde est sub. Pas de pub. Ah, c'est vrai. Il a mis tout le monde. Entre vous, vous avez mis tout le monde dans l'abonnement. Pas de pub. Bah, bravo. Hein. Bah, bravo. C'est bien que je me fasse chier mettre de la pub. Je le dis, moi. T'as commencé à 5h. Donc, je suis légèrement en retard dans ce cas. Oui, ouais, non, c'est bon. J'ai commencé à 17h. En effet. Pour info, je n'ai pas reçu la batterie. Bah, c'est toi qui as gagné ou pas? Je m'en rappelle plus. Il me semble pas que ce soit toi qui as gagné la batterie la dernière fois. Alors, c'est toi qui as gagné, rechuchote-moi. Rechuchote-moi en disant... en fait, j'ai reçu 3 trackings et un dont j'ai pas le nom. Donc, c'est peut-être toi. Parce que les pseudos correspondent pas au nom et j'ai mis dans un fichier. C'est le bordel. Donc, elle m'a envoyé les 3 trackings juste avec les noms, sans les pseudos, sans rien. Et donc, du coup, je savais plus. Voilà. Donc, c'est toi qui as gagné la batterie. Tu me rechuchotes. Voilà. Tu me rechuchotes. Ah oui. Tu me rechuchotes en disant, c'est moi qui avais gagné. Et en mettant ton nom, prénom et pas l'adresse, je l'ai déjà. Et comme ça, si elle me l'a bien mis, je te renvoie le tracking. C'est parti cette semaine, hein, de Chine, toutes les batteries Veger. Donc si c'est parti, j'ai reçu les trackings cette semaine, je crois. J'ai envoyé aux deux dont j'avais me rappelé. Et donc comptez un petit moment. Comptez que vous n'allez pas les recevoir tout de suite. Voilà. Mais c'est on the way, c'est on the way. Tous les gagnants... Non, moi c'est les écouteurs la semaine dernière. D'accord, donc c'est parti aussi. Toi c'est les écouteurs, d'accord, donc toi c'est parti. Non mais il y en avait 3 et un, il me manquait 2 dont j'ai déjà chuchoté, et un troisième... Là je regarde, ça chuchote là. Mmh. Ok, mon idée, pardon. D'accord, ok, ok, oui c'est bon. Non, non, mais bah, les autres c'est fait. Vas-y Greg, sors du champ.
C'est comme chez toi. Exactement. Oui, mais je me suis mis mon petit ventilo. Attends. Ah, il faut faire ça dans la joie et la bonne humeur. Non, mais dans bonne condition. Attends, vas-y. Un bicloune égale un vélo. Un ah, c'est un mine entre bicyclette et Schnorr. Car nous sommes la France silencieuse. On chatte. Ou pas tout faire. On pas tout faire. On pas tout faire, Bicloud. Biloute. Ok. Ah, j'aime bien le petit emoji, on dirait un Batman. Ça doit être ça. Il ne livre pas en Bretagne. D'accord. Il fait une déviation par chez moi avant, pour une fois que je gagne. Non, mais si t'as gagné, que tu m'as envoyé nom, prénom, adresse et tout, les trois qui ont gagné, j'ai envoyé les trois adresses et j'ai reçu les trois tracking, mais il y en a un, donc je n'avais que le nom compliqué, je n'avais pas le pseudo et j'ai pas trouvé dans les chuchotements, ça n'a pas marché. T'es chaud, bordel. Ah oui. Normand. Normand, ça doit être ça, ouais. Non, mais voilà. Après, les vélos électriques, c'est pas mal. Alors, j'ai bien avancé sur le Fido M1 Pro. Alors, la prochaine vidéo, c'est demain. Les tipeurs l'ont déjà reçu. Je vous rappelle, tous ceux qui font un tips, vous êtes tipeurs pendant un mois, automatiquement. Et vous recevez les vidéos 24 heures avant tout le monde. Donc, demain, c'était là où je devais faire réparer la béquille. Et c'est plus dans quelle vidéo que je parle. Je crois que c'est dans la vidéo de. Alors, après, demain, ça sera la vidéo où je vais faire réparer la béquille. Après-demain, on parlera du débridage, puisque c'est la nouvelle version du M1 Pro. Il y a une version avec un écran LCD qui était vachement mieux. Là, c'est l'écran le plus miséreux de la galaxie. Il y a juste les kilomètres-heure et la batterie. Il n'y a plus de distance, machin. Et le débridage n'est pas fait pareil que sur l'autre. Le début, oui, mais il faut débrider le compteur et tout. Donc, je ferai certainement le débridage dans dans 3 jours, 3-4, dans 4 jours, demain. Dans 3 jours, et après, dans 5 jours, il y aura l'autonomie maximum, c'est-à-dire combien je peux faire de kilomètres en full électrique. Alors, je vous cache un peu le suspense. En full électrique, c'est-à-dire que j'ai pris le Fido, je l'ai bridé à 25 exprès, parce que quand eux, ils font leur calcul, ils mettent à 25, d'accord? Donc, j'ai bridé à 25, j'ai mis full électrique tout le temps, c'est-à-dire que j'ai roulé pendant 1 heure et demie, hein, c'est-à-dire que la vidéo, elle dure 1 heure et demie. Je fais le tour du lac, je passais, machin, et tout. Alors, oui, c'était tout plat, oui, je fais 83 kilos, mais on a quand même fait 40 bornes. Tout pile, presque. Et non, encore 40 bornes, je suis arrivé chez moi, il restait 2 barres, donc c'est pour manger un malabar. Mais, il restait 2 petites barres. Il n'y a que à la fin où ça montait, mais il y a une des deux caméras qui a cramé, donc il n'y avait plus que la frontale. Il n'y a plus que celle qui me filme comme ça, mais bon. Mais bon, 40 km en full électrique, c'est-à-dire sans jamais toucher aux pédales, en roulant à 25 maximum sur le plat, nanana, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, comme on le voit dans la vidéo, il faudrait pédaler aussi pour alléger un peu le moteur. Et je pense que ça méritera un deuxième test où là, on dit, bah, en plus, je pédale pendant toute la longueur et tout. Et voir si on peut, à mon avis, faire, comme ils annoncent, au moins 100 bornes. Quasiment le double, facile. Parce que dans les montées, mettre tout en électrique, quelques montées, on verra, tout en électrique, ça tire vachement sur la batterie. Et après, on fera le même test, mais là, en débridage complet électrique. Mais bon, après, au-dessus de 25, tu peux pas pédaler. Il y a que 6 vitesses derrière. T'as beau mettre la plus petite, tu peux pas pédaler. Donc, ça méritera de faire un dernier test. Et comme ça prend une review qui est complète. Et on en parlera dans la vidéo, donc du coup, après le débridage, que j'ai niqué la béquille puisque j'ai mis la selle trop haute. Et avec mon poids et le poids du vélo, la béquille, elle est sur le côté. Que c'est les béquilles qui sont génériques. Puisque, dans l'idée, une fois que tu comprends un peu le truc, c'est que les fabricants de vélos sont aussi des assembleurs. Ça veut dire qu'ils ne vont pas tout concevoir eux-mêmes. Parce que dans l'idée, encore une fois, si tu veux faire ta propre béquille, avec tout particulier, c'est 10 000 balles par moule. Bon, sauf que tu prends des tubes, des machins comme ça, quoi. Mais si tu veux faire des trucs spécifiques, il faut faire des pièces spécifiques. Alors pour eux, c'est plus intéressant de commander des béquilles, et on verra que ces béquilles-là, on les trouve sur Internet. En générique, puisque dessus c'est le générique, il n'y a pas marqué Fido. Et on verra également dans la vidéo suivante, parce que le dossier est en cours, que j'ai réussi à trouver des batteries de meilleures, puisque les batteries, c'est pas Fido qui les fait. C'est des batteries qui sont faites par d'autres fabricants. Et si moi la batterie c'est une 48 volts 12,8 ampères-heure, ce qui est pas mal, hein, ça fait environ 600 watts. En contactant un des fabricants qui fait ces batteries-là et tout, qui c'est du LG en fait, hein, d'origine, on peut également avoir les mêmes de même.
Mais 48 volts, toujours pareil, mais au lieu de 12 ampères 8, enfin 12,8 ampères heure, on peut avoir du 14 ampères heure. Donc ça fait pas beaucoup, mais ça fait presque, tu vois, 1 ampère et quelques fois 48, ça fait presque, tu vois, on doit presque arriver à 70 watts, 70 watt-heure en plus. Donc c'est quand même pas négligeable. Et là, en fait, il suffit, la batterie, comme tu l'enlèves, de mettre une batterie meilleure. Et en fait, les 48 volts, 14 ampères heure sont fabriqués par Samsung. Voilà, c'est la technologie Samsung qui est dedans. Donc c'est assez intéressant, en fait, de ce vélo, de se dire que pour faire réparer la béquille, on peut acheter du générique, encore une fois, parce que je pense que beaucoup vont la niquer. Et pour changer la batterie, parce que bon, il y a 500 cycles, après, elle va se dégrader, ou pour en avoir une deuxième, on peut acheter soit les mêmes en générique en Chine, soit on peut acheter mieux, avec plus d'ampères-heure. C'est-à-dire que là, tu pars avec deux batteries, tu sais que la deuxième, elle a plus que l'aller. Alors, tu vas jusqu'où tu vas au maximum de où tu peux aller loin, et tu sais qu'au retour, tu as une batterie plus grosse. Donc, tu pourras au moins, voilà, si ça monte un peu. Donc, c'est assez intéressant de voir la review comme ça, et ça va être vraiment le leitmotiv de WTS, où c'est de parler un peu de tout ça, des évolutions, des galères, de changements, de remplacements. Et alors, il y a une deuxième trottinette, là, c'est avec AliExpress, une trottinette de 1200 watts. Un truc qui envoie un peu de la gouache et tout, avec des suspensions et tout, trop bien, là. Et après, on verra. Donc, soit ça sera la... Ben après, je pense qu'une fois qu'on aura fait ces deux-là, on aura beaucoup plus de contacts au niveau des fabricants et des revendeurs et tout. Donc, on aura un peu plus de contacts. Et notre dernier, là... En fait, celui qui devait m'envoyer la trottinette, là, il m'a demandé les prix. Je dis, ah, je fais un prix parce qu'on cherche des partenaires et tout. Ah, génial, je reviens vers vous. Ce matin, il m'écrit bonjour. J'y écris bonjour et... Pas de nouvelles, mais c'est fait, là c'est fait. S'il revient ce matin, c'est que c'est une question de jour, donc il y aura normalement une troisième trottinette, plus dans le genre Xiaomi 365, voilà, pour l'anecdote. Et puis voilà, après on verra, donc après pour cette espèce de vélo moto, on verra, c'est un truc à 1000 balles quand même, hein. Ou 1000, c'est cher, hein. Je crois que c'est 1700 balles, je crois, comme ça, donc à l'Express ils sont pas chauds. Faut qu'on montre un peu patte blanche, là. Faut qu'on fasse de la vidéo sur GLG Review, que la vidéo elle fasse un peu des vues, certainement, tu vois. Elle devrait bien marcher parce que la vidéo est intéressante. On essaiera surtout une vidéo en expliquant qu'il y a le 250 et le 500 watts. Le 250 c'est la version normale et le 500 watts c'est la version pro. Et qu'en France, le 500 watts est interdit, il faudra plutôt la 250. On en parlera dans la review et tout. Et qu'on peut le débrider sur les chemins privés et tout, voilà. Et une fois qu'on aura fait celle-là, la trottinette un peu à suspension, la AliExpress, et peut-être même la troisième, là, on aura peut-être écoulé 2-3 mois, on aura peut-être un peu de vues, et puis on aura surtout énormément de vidéos sur WTS. Donc, il se peut peut-être que WTS prenne un peu le pas sur GLG Review, et que les vidéos marchent bien aussi sur WTS, parce que, après, la trottinette, ça sera pareil, rouler à fond, machin, truc, avec le chargeur, jusqu'où on peut aller, aller-retour, et puis l'autre aussi, et puis voilà, j'utiliserai au quotidien, comme je fais actuellement... Pour le vélo et tout, et ça peut, voilà, ça peut intéresser, que j'utilise pas que pour la review, mais j'utilise tout le temps. Régulièrement, tout à l'heure, je suis allé à 7-Eleven, j'ai pris mon vélo, tranquille, plutôt que prendre le scooter et tout, j'ai pris mon vélo, comme c'est pas à côté, là, je suis allé là-bas et tout le monde me regarde, et oh, ce vélo, puis en fait, comme il est gros pneu et tout, tu sais, il a de la gueule, ce gros vélo. Et en plus, du petit côté, je ne pédale même plus maintenant, je vais là-bas, à 25 km/h, je sais que je peux faire 40 km. Voilà. Bah c'est pas mal. Bon, qu'est-ce que vous en pensez si on faisait le jeu? Ouf, ça pique un peu là, fais voir. Alors attends. Bon, vous l'aurez compris, on va faire le tirage au sort. Le partenaire de l'émission, c'est bien évidemment Ekaïssa. Ekaïssa, on a fait la review du casque la semaine dernière. On attend 3 produits Ekaïssa. Elle devait m'en envoyer un, je sais pas, Amni, je sais pas quoi, les douanes, machin, comme Imou. T'as le truc, il est bloqué en douane, tout le monde s'en bat les couilles, je dis, attends, ça va. Pas aller me faire chier, contacter les douanes et tout, c'est leur boulot. Donc il y avait un, et ils l'ont perdu. Voilà, donc elle me l'a renvoyé, et il y avait une autre commande, il y en avait deux, dont cette souris, apparemment un nouveau casque. Je crois qu'il y a des écouteurs intra, un nouveau casque, et cette souris-là. Donc j'ai renvoyé pour la review, je dis voilà, on fait un petit live et tout, mes membres adorent gagner des cadeaux. Mais qui n'aimerait pas. Voilà. Et... Tu pourras faire une de trottinette avec Jean. C'est qui? Mais non, Jean, il a un vélo. Alors, oui, bah après, on peut faire de la trottinette. Lui, il peut avoir un tonnet, moi, je prends le vélo électrique. Oui, on pourra faire des trucs. On pourra faire des trucs avec Jean. Mon ami gay, comme je l'appelle. Il n'aime pas. Je vais parler une soirée avec mon ami gay. Alors qu'il n'est pas gay.
Et quand bien même. Voilà. Non, mais bon, voilà, pour revenir. Donc, j'écris, voilà, on pourrait faire gagner un truc. Et bien, oh, moi, je peux vous offrir la souris KSA EM600. Alors, il n'y a pas de prix. Je sais pas combien elle vaut. Mais bon, après, elle vaut, quoi. Voilà. Donc, comment ça se passe? Bien, mon ami. Voilà. Donc, le giveaway, il est ici. OK. La souris gaming EKSA. Le mot de passe qu'il faudra mettre, c'est point d'exclamation EKSA en majuscule. J'adore gagner les cadeaux. Je sais bien. Une course de trottinette. Ah oui, oui, exactement. Oui. Ah bah oui, il y a deux. Après, c'est plus rigolo. Alors, le code, ça sera point d'exclamation EKSA tout en majuscule. OK. Je lance le giveaway tout de suite. Vous n'oubliez pas, vous mettez point d'exclamation EKSA, enfin point d'exclamation EKSA en majuscule. Et dans 5 minutes, on désigne un gagnant, bien évidemment. Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors, il faut que je mette moi aussi. Attends. Point d'exclamation, il est où? Là. EKSA. Et voilà, un ticket pour moi. Un cadeau. Bon, je vous le dis tout de suite, si je gagne, je l'offre à Kurumi. Hein? C'est quand même de bonne guerre. Hein, parce qu'il, lui, il a du mal à gagner. Il n'arrive pas à gagner. Chii, il joue mal. Il joue mal, peut-être. Il ne sait pas jouer. Voilà. En plus, il joue mal, s'il me perd. Voilà, si je gagne, je vous dis, je la donnerai à Kurumi. Voilà, non pas parce que par favoritisme et tout, mais voilà, pour le principe, une fois que j'aurai gagné une fois, on me prépare. Oh, merci à Sagatelle de me suivre. N'oublie pas, il te reste plus que 3 minutes pour participer à notre tombola. Tu mets point d'exclamation EKSA en majuscule. Et peut-être que tu pourras gagner cette jolie souris gaming de la marque EKSA. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Bah voilà, une tombola souris gaming EKSA EM600. Il y a le lien Amazon si vous voulez cliquer dessus. Est en cours pour vous utiliser. Mais normalement, ça devrait mettre point d'exclamation EKSA, mais c'est pas mis. Donc vous pouvez participer. Alors, on en est où? 14 participants sur 24. Allez les gars, point d'exclamation EKSA en majuscule. Vous pouvez le faire. Je vais mettre la fenêtre ici. Parce que là-bas, je vois rien. Celle-là, l'écran, il n'est pas polarisé. Leur iMac là-bas, il est polarisé avec mes lunettes. Voilà. Perturbation perturbante. EKSA, non, il faut. T'as mis un espace, faut pas mettre d'espace. Hein. Point d'exclamation, tu vas y arriver. Troisième coup, il est bon. Troisième goût, tu vas y arriver. Allez, allez, allez. Jamais 203. Point d'exclamation, EKSA, tout attaché. Sans espace. C'est ça. Et il va y arriver. Jimmy est arrivé. Tu vois, comme quoi, si Jimmy est arrivé, Brooklyn y arrivera aussi. Concentre-toi. Concentre-toi. Alors, c'est vrai, si c'est sur téléphone. Voilà, encore un, c'est bon. Il te reste 2 minutes 40, panique pas. Ah, j'ai un Mac 4.6 et une MX Master 3 sans fil. Si je gagne, on négocie. Si tu veux. Ok, ça, voilà, c'est bon. Tu l'as fait. Tu l'as fait, t'es notre champion. Si en plus tu gagnes, alors là, t'es refait. C'est le cas de le dire. Non, mais bon, on rigole, c'est bon. Combien vous êtes de participants? 17. 17 sur 24, c'est rigolo qu'il y en ait qui jouent pas. Alors soit c'est nos gagnants de la dernière fois, qui veulent pas jouer parce que... Alors le problème, c'est que j'ai oublié de noter les noms des pseudos des gagnants et tout. N'hésitez pas à être honnête. Ça va pas être facile. Hein. Mais si vous avez déjà gagné, dire j'ai déjà gagné et j'offre. Voilà. Et... Ok. Et pourquoi il y avait un bruit? C'était qui ce bruit? Thomas? C'est un où ça? Voilà. Revenons-en à nos moutons. Bézéda, j'ai utilisé 5 bits. Ok, merci beaucoup. Attends, je vais tout mettre sur... Mais en fait, tout en même temps, tout rentre sur mon écran, là. Alors, Shadow, t'as enregistré? J'ai mis... Pff, c'est le bordel. C'est le bordel. De toute façon, on a eu deux gagnants. On a eu deux gagnants depuis la dernière fois. Donc, on a eu Bézéda... on a qui... Je m'en rappelle plus c'est qui les derniers gagnants. Faudrait que... Shadow, il faudrait que tu fasses le boulot à ma place. Je suis complètement à l'ouest, j'ai complètement zappé. Je dois aller avoir les trucs. Hein. Non, mais il y a eu Effet Shopping, le dernier, qui a gagné les écouteurs. Et avant, la batterie, je ne me rappelle plus c'est qui. Bah, c'est l'avant-dernier, je crois que c'est Cisco ou... Attends, c'est pas Cisco, c'est... je ne me rappelle plus c'est qui, mais voilà. Je vois à peu près. Plein Shopping. Et avant, c'était Mikado. Voilà, ok. Donc, Effet Shopping et Mikado ont déjà gagné. Chez John Duff. John Duff, il met déjà sa souris en jeu. J'ai tout noté. Merci beaucoup, Shadow. Merci, Koum.
Mais je laisserai la place à Shadow volontiers. Bah écoute, on verra. On verra bien qui a gagné. Ok. Combien de temps il nous reste? 33 secondes. Bon, je comprends pas que tout le monde n'ait pas joué, moi. Je comprends pas, vous êtes que 17 à jouer. Pourquoi? 17 et vous êtes 24 en ligne. En théorie, tous les gagnants. Pourquoi? Attends, mais ma page, pourquoi elle est partie en couille comme ça? Ah, parce que je l'ai changé de fenêtre. Si je la mets là, comme c'est notre résolution. Ah ouais, voilà. Ouais, comme c'est pas les mêmes résolutions d'écran et tout. Là-bas, en fait, j'ai remis mon écran 21 neuvième LG. En fait, ça marchait pas avec l'autre que j'avais là. Donc, j'ai remis mon écran 21 neuvième LG. Et là, j'arrive à avoir le double écran. Après, il est polarisé, c'est un peu la merde, mais bon. Rien à travers mes lunettes. En même temps, tu me diras, t'as qu'à enlever tes lunettes, connard. Je dirais, oui, t'as raison. Voilà. Bon. Si je gagne, c'est pour mon modo préféré. Préféré. Bon, allez, on fait le tirage pour enlever un peu le suspense. Si je gagne, je peux négocier la batterie. oui, toi oui, les autres non. Non, puis après c'est un truc par semaine et tout. Si c'est toi qui gagne, oui, tu peux négocier la batterie. Si c'est les autres, c'est la souris. Bon, gagnant? Gagnant ou pas gagnant? Peut-être que tout le monde ne joue pas car ils sont juste en mode podcast. C'est ça, exactement. Ils sont juste en audio. Bon, allez, gagnant. Six shot is your winner. Il a déjà gagné six shot en plus, je crois. Il a déjà gagné un truc de mémoire avant, mais c'était avant le jeu. Donc c'est bon. Tu vois? Mais c'est ça, il a gagné une batterie, je crois, de mémoire. Donc six shot. Ok. Tu notes comment? Complète. Remarque, je crois qu'il y a l'historique, non, des gagnants. Attends. Giveaway story. Ah bah ouais. Ah bah ouais, c'est comment ça? Alors, une souris gaming, six shots, ok, des écouteurs intra-auriculaires, Planet Shopping. Giveaway du mercredi. Avant c'était Mikado. Avant c'était pas de gagnant, pas de gagnant. Après c'était BZH, Fred, Mikado. Ok. Bon. Alors six shots, il faut nous dire. Bien ouais, six shots. Donc six shots, tu dois nous dire, je garde ou j'offre. Gagne ce que tu veux. Soit tu gardes, tu me donnes voilà, tout ça. Et puis soit tu offres. Et dans ce cas, tu nous dis à qui tu l'offres, par exemple. À savoir que si vous voulez offrir, vous pouvez offrir plusieurs. Là, par contre, vous pouvez offrir plusieurs fois. Cadeau, vous pouvez offrir un truc à chaque fois. Par exemple. Hein. Si vous gagnez, vous pouvez gagner qu'une seule fois. Mais si vous offrez, après, on met ça. Bon, bah rien à négocier. Rien à négocier. Bon, six shot. Six shot est en train de réfléchir. Merci. Mais j'ai déjà une souris. Donc je donne à notre modérateur, dominateur, Shadow. Voilà. Donc, mais Shadow, il veut la batterie. Ça ne m'arrange pas. Bon, Shadow, comment on va faire? Comment on va faire? Parce que. J'ai un midi suite plus, tu Bon, ce qu'on fait, comme. Ouais, mais parce que. Non, le problème, c'est que là, après, si la souris, après, je suis obligé de la remettre en jeu, donc ça marche pas. Non, c'est la souris ou rien aujourd'hui, je peux pas. Parce qu'après, le problème, c'est qu'après, si là, j'offre pas la souris, que j'offre une batterie, la semaine d'après, après, je me retrouve encore avec une souris, quoi. Et peut-être que si j'avais offert la batterie, il l'aurait pris au lieu de ça, comme ça. Donc, c'est. Shadow, je t'enverrai le. Tu as gagné une souris. Voilà. C'est déjà ça. Offre à quelqu'un d'autre. Enfin, quelqu'un d'autre. On en est là. On en est là où les mecs veulent pas les cadeaux. On est mal. Non, on va l'envoyer à Shadow, la souris, parce que ça lui fait plaisir. Et si quelqu'un veut te offrir autre chose, on verra, on s'arrangera. Ne t'inquiète pas. Tu pourras avoir plein de cadeaux. Vous pouvez offrir tant que vous voulez. On va s'arranger comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, bon, on a fini pour aujourd'hui. Quelle heure il est? 22h59. Je crois qu'on est pas mal. Pourquoi ça déroule comme ça? Bon, ok. Non, c'est ça. Oui, bah après, si chaque live, les mecs veulent t'offrir quelque chose, tu prends? Moi, je dis, moi, on m'offre rien, j'ai tout.
Mais voilà. Non, offrir, vous pouvez recevoir autant que vous voulez, mais voilà, vous pouvez gagner qu'une seule fois. C'est le but, c'est le but. Bon, ça sera tout pour ce petit live du mercredi. On a parlé de pas mal de choses. Il y a pas mal de choses bien qui vont arriver. Bon, notamment des smartphones plutôt sympathiques ce mois-ci, avec le Redmi, le OnePlus. Après, bon, les Oukitel, les Ulefone, machin, ça, c'est pas ouf, mais... Et le Dougie. Et le Dougie S98. Les vélos... Enfin, le vélo, déjà. La trottinette, le IMO, c'est moins... Parce qu'en fait, il m'intéresse pas trop, le IMO. En fait, j'aurais bien aimé le garder, et je préfère avoir un autre, plutôt. C'est à négocier. Non, parce qu'après, le IMO, il était pas mal, là, en 500 watts, mais moi, je préfère un truc avec des gros pneus, là, tu sais, un truc un peu costaud, tu sais, que je puisse sortir. Là, l'autre, ça fait un peu... pour les routes de la Thaïlande, vous allez voir, c'est un peu dangereux, quoi. Donc, je suis en train de négocier, donc, le vélo Fido, la trottinette 1200 watts, peut-être la nouvelle trottinette 1000 watts, on verra ça. Et puis voilà, je ferai peut-être gagner un cadeau. Je te redis ça sur live. Eh ben écoute, avec plaisir. Avec plaisir, Mister Effet Shopping. On prend tous les cadeaux. On est comme ça, on prend tous les cadeaux. Bon, ça sera tout pour ce petit live du mercredi. Alors, il sera demain en podcast. Je prendrai la version audio, je la mettrai demain en podcast. Et, oh, bonjour. Et merci. Pourquoi j'ai pas, je le vois pas. Ah, Shadow a offert un abonnement à Lufti. Ah, et de retour Youn, ok, merci, merci beaucoup, merci pour eux. Donc l'émission sera demain en podcast, et je la mettrai certainement peut-être après-demain en planifié pour mercredi prochain sur le genre de vidéo. Ça laisse un peu le temps comme ça, autant. Voilà. Vous avez vu, je fais les shorts et tout, comme on m'a dit, pour annoncer les lives et tout, c'était pas mal, voilà, ça fait plaisir. Merci à Shadow d'avoir offert tous ses abonnements, à TMJ, à Lutfi, à PTIAE72, ça fait plaisir, merci, merci. Merci à notre modérateur dominateur. Shadow, tu m'envoies sur Line, tu as besoin de me chuchoter, hein. Tu m'envoies sur Line, nom, prénom, adresse, et numéro de téléphone, bien évidemment, puisque j'aurai un coubli, hein, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, et comme ça, j'enverrai directement demain à la marque pour que tu envoies ta souris, à savoir que tu pourras continuer, tu pourras rejouer, hein, et gagner peut-être la semaine prochaine, un jour tu gagneras. Mais après, tant qu'on t'offre, on t'offrira. Ou on offrira à quelqu'un d'autre, voilà. Bon, je vous remercie de passer, ça m'a fait plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé beaucoup le plaisir. Un petit peu chaud, là, je vais prendre une bonne petite douche, et puis voilà, un petit support et au lit. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un beau mercredi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Dites merci à Shadow pour tous ces abonnements qu'il a offerts. Ça fait extrêmement plaisir. On a plein d'abonnements là aujourd'hui. C'est trop bien. Et... yeah, pourquoi encore, putain, mais ah oui, c'est les notifications qui arrivent plus tard, parce que j'ai déjà, moi j'ai déjà dit ça, Lutfi, TMJ, Zappy, Rolls, Technimotion, Mécano, PA, Brooklyn, putain la vache, Uni, Fung, oh là là, dis donc, putain, c'est vraiment la fête, hein. Merci beaucoup Kurumi. Ça fait plaisir. Et puis bah merci pour eux. Et puis bah moi je donne rendez-vous. Alors demain normalement il y a la vidéo à vélo sur le test GLG. J'ai l'aspirateur balai l'avant avec eau chaude et tout. Elle m'a cassé un peu les couilles aujourd'hui. Je me dis, il faut changer ça, faut changer ça. J'ai dit, attendez. Ouais, mais l'autonomie, nous, bah moi l'autonomie c'est 10 minutes en turbo, voilà quoi. J'ai dit c'est comme ça. Oui, mais là ça mousse alors que nous, c'est une review, hein, c'est pas une vidéo publicitaire, on peut pas refaire la vidéo. J'ai pas le temps, et deux, c'est une review. Je teste en fonction du produit, comment il est. Donc ça, ce sera demain en français et en anglais et en vidéo. Putain, il y aura plein de trucs. Donc GLG Review, by GLG English et WTS by GLG demain. Il y aura un petit quota de vidéos. Allez, merci à tous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, à mercredi prochain, forcément je vous kiffe,